Bonjour. Voilà, je suis prête pour le mariage. Est-ce que vous avez bien dormi, hein? Bonjour les fans. Bonjour, ça va? Donc, je suis prête pour le mariage. Je m'en vais directement à Bruxelles. Je tenais à vous présenter ma tenue. Voilà, regardez, admirez. Bon, il n'y a personne. C'est comment? Il n'y a personne pour me monter la fermeture derrière. Hein. Attendez, je vais baisser le volume de la télé. Il n'y a personne pour me monter. Je veux. Attendez, j'arrive. Hein. Alors, parce que je suis en train de partir là. Et je vais directement au mariage. Je vais directement au mariage parce que je suis même en retard pour la mairie. Hier, j'ai fini vraiment tard. Oh, bon. C'est comment admirer la tenue de votre reine-mère? Comment vous me trouvez? Bon, j'ai pas mis beaucoup de. Regardez, donc. J'ai pas trop chargé. J'aime pas trop charger, hein. Je pourrais être mannequin des grosses, non? Je peux faire le mannequinat des grosses ou pas? Des grandes tailles. Il est que j'ai mon train, hein, donc je vais directement à la mairie. Digne d'une PDG. Reine-mère. La charismatique reine-mère. Comment vous me trouvez? Maman, je peux défiler, non? Je peux défiler ou pas? J'ai pas porté mes chaussures, les chaussures que je veux porter. Je n'ai pas porté mes chaussures. Merci à LVS Cosmétique, hein, Bengomati. Bon, je peux défiler, non? Je peux défiler, non? Je peux pas porter les chaussures maintenant. Pam, 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 la classe. Eh oui. Bon, je tenais à vous présenter ma tenue, c'est bon. Donc, j'ai pas trop chargé. Parce que moi, j'aime les choses simples. Plus c'est simple, plus c'est joli. Maman, le temps ne veut que passer. Donc, ce soir, hein, dès que je... Ayou bayou, ayou bayou, ayou bayou, ayou bayou, ayou bayou. Quand tu es bien habillée comme ça, tu ne bouges pas trop, quoi. Nayo. Par contre, il y a un truc. Je n'ai pas fait les ongles. Je suis vraiment désolée. Parce que hein, je n'avais pas le temps. Mais bon, ça va quand même, non. Je peux changer le vernis pour la soirée. Mais je n'ai pas fait les mains. Je n'avais pas le temps. Je peux faire la tonga quand même des grosses, des grandes tailles. Yuba, yu, yuba, yu, yuba, yu, yuba, yu, yuba, yu. Pardon, il est quelle heure? J'ai montré à 11h58. Yuba, yu, yuba, yu, yuba, yu. Yuba, yu, yuba, yu, yuba, yu. Maman, En tout cas, hier, j'ai trop kiffé le direct du président. C'était magnifique. Bah, je ne peux pas commenter mon président, le président Amot. Et voilà, donc j'ai kiffé le direct. J'ai beaucoup aimé ce direct-là. C'était trop bien. C'était trop bien. Merci au président Amot et à Jaguar Amot. Parce que c'est eux qui m'ont montré mon styliste, mon tailleur. Donc l'Ivoirien qui me coud mes vêtements. Bon, c'est eux qui m'avaient donné cette adresse-là. Donc c'est quelqu'un qui respecte quand même, vous voyez. Bon, c'est pas donné, hein, ça coûte quand même cher, mais bon, c'est mieux parce que au moins tu donnes ton vêtement là-bas, t'es sûr de le récupérer. Donc j'étais allée donner mon pain, vous aviez vu, non? Mais j'ai payé le prix, donc ça c'est 150 euros. Voilà, j'ai fait ça 150 euros, dont l'équivalent de 100 000 francs CFA. Au moins s'il n'y a pas les retouches, retouches, vous voyez, quand il court, ça tombe net. Il connaît déjà ma taille, il connaît déjà. Vous voyez, il connaît déjà ma morphologie et puis je lui dis un peu ce que j'aime bien et tout et tout. Voilà, il sait déjà que moi j'aime les trucs classe, simple. C'est un ensemble, oui, c'est un ensemble.
C'est la jupe. C'est la jupe. Bon, j'ai bien ri un peu quand même parce que quand il a pris mes tailles et tout, c'était pas pareil que la dernière fois. Donc j'ai perdu quand même un peu. J'ai perdu quelques grammes quand même. Hein. Bon, je vais continuer à faire l'effort. Voilà. Donc ce que je tenais à vous montrer. Hein. Ah. Bon, comme je suis seule, je vais trouver quelqu'un qui va. Ouf, maman, il faut pas que je. Ouais, pardon, attendez. Vous savez que les. Oui, si. C'est pas que c'est trop serré, mais c'est juste que. Voilà, donc quand j'arrive à Bruxelles, bon, mes cheveux, je remercie LVS Cosmétique, Yvain Gomatip, qui m'a coiffée. Voilà, qui m'a offert ma coiffure. Je remercie. Les gens ont dit, Fleur de lys, tu vis des dons. Je remercie. Oui, c'est 150 euros, c'est que j'ai cousu. Oui, l'ensemble, oui. Moi, je paye cash, hein, donc je ne dis pas avance, machin. Je paye parce que c'est que je viens, ils me donnent. J'ai pas. Moi, j'aime pas trop discuter, en fait. Parce que quand tu discutes aussi trop, après, ils te font des prix. Ils font le cote à 1000 âmes, tu vois. Donc, ça fait que je n'aime pas trop discuter les prix et tout. Donc, je disais que je remercie SVS Cosmétique, voilà, qui m'a coiffée, qui m'a offert ma coiffure. Je remercie Angé Kenny Production qui m'a offert mes bijoux. Les gens disent que Fleur de lys, tu vis des dons. C'est pas mal. C'est pas. Voilà. C'est le tissu. Non, mais j'ai ramené mon tissu et tout. Hein, c'est pour un mariage. Donc, je remercie. Aïe, pardon, je vais m'approcher comment? Hé, maman, j'ai peur si ça éclate. Attendez, je mets quand même. C'est quand je m'approche trop là, il faut que je mette quand même les lunettes, non. Est-ce que si je m'approche. Donc, je disais que je remercie Angé Kenny Production. Bon, si je rajoute une bague, ça fait trop, non? Si je rajoute la bague. Il est quelle heure? Pardon, j'ai mon train à mon TGV. Donc, si je. C'est bon, non? Le styliste là est fort, oui. C'est un Ivoirien. Donc, c'est lui qui. Bon, je suis habituée quand je trouve quand même que c'est bien. Je préfère donner là-bas. Parce que je sais qu'il va me le. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc, c'est lui qui confectionne mes vêtements. 9h34. Ok, le temps, j'arrive à la gare du Nord. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, je ferai l'effort de vous faire le direct là-bas. Parce qu'au moment d'aller dormir, parce que le mariage se passe à l'hôtel. Donc, la mairie, après, à l'hôtel où se passe la soirée. J'ai une fois pris ma chambre d'hôtel là-bas. Donc, il y aura bien la connexion. Je tiens toujours à vous faire un test VIH en direct pour sensibiliser la jeunesse et tout. Donc, je le ferai, je l'ai avec moi. Donc, dès que j'ai un moment, le temps de pause, là, vous voyez, quand les gens vont quand même se reposer pour la soirée, il y aura une bonne connexion. Je vais m'asseoir et je le ferai pour vous. Voilà, parce que j'ai qu'une parole quand je dis et je le fais, quoi. Voilà, donc je disais que je remercie Angé Kenny Production qui organise les 10 ans de carrière de Lady Ponce au Texas le 29 avril. Donc je remercie cette dame de m'avoir offert ces bijoux-là. C'est elle qui m'a offert des bijoux quand j'étais aux États-Unis. Elle m'a offert ces bijoux-là et puis d'autres bijoux encore que je n'ai pas encore portés. Voilà, merci à toutes ces personnes-là qui m'accompagnent tous les jours, qui m'encouragent. Voilà, merci aussi à toutes ces personnes qui me donnent des conseils, de dire, Flore, reste tranquille, ne réponds plus à rien. Oui, j'ai compris, je ne réponds plus. Quand j'ai écouté au direct de Prédia Modier, ça m'a beaucoup fait, ça m'a fait énormément plaisir. Voilà quoi. Donc, je pense qu'il faut savoir passer à autre chose dans la vie. Oui, je passe à autre chose, je ne réponds plus aux détracteurs. Mais quand même, si j'ai des choses à dire sur Facebook, hein, comme par exemple faire le test VIH en direct, ça ne serait pas pour. Ce n'est pas un défi, j'ai envie de le faire pour sensibiliser la population, pour sensibiliser la jeunesse. Et je le ferai. Donc, je réponds plus au bracata, au truc à 2 balles. Vous savez, toute la nuit, mon téléphone n'a pas. Il paraît qu'on a donné mon numéro de téléphone là-bas de l'autre côté. Et il y a des gens qui m'ont appelé. Il y a beaucoup, vous savez, quand tu appelles, ça enregistre directement. Mon téléphone est fait de telle sorte que quand tu m'appelles, ça enregistre directement. Donc, j'ai quand même eu beaucoup de menaces de mort. Et je tiens quand même à aller à la police parce que même quand on t'appelle dans ce pays, même quand on t'appelle un numéro masqué,
on peut le démasquer parce que la personne m'a laissé un message. Quand j'ai dit allô, j'ai laissé la personne parler et la personne m'a fait beaucoup de menaces de mort. Donc, je pense que c'est quelque chose quand même à prendre au sérieux et je le ferai. Mais c'est pas parce qu'on me fait des menaces de mort que je ne viendrai plus sur Facebook pour donner des conseils. Personne ne me chassera de Facebook. D'accord? Donc, personne ne me fera quitter Facebook. Déjà, quand j'aurai le temps, je vous ferai écouter parce qu'il y a beaucoup qui m'ont appelé. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui m'ont appelé pour me dire, Flore, calme-toi. S'il te plaît, ne réponds pas. Voilà quoi. Il n'y a que deux personnes qui m'ont insulté, qui m'ont fait des menaces. Mais le reste, toutes ces personnes-là qui m'ont appelé, franchement, je vais vous dire une chose. Ces personnes-là n'ont pas mal parlé ou quoi que ce soit. Il n'y a que deux personnes qui m'ont fait des menaces de mort. On t'aura vraiment d'une haine incroyable. Mais moi, je tenais quand même à dire que je ne changerai pas mon numéro de téléphone personnel pour rien au monde. Donc, je ne changerai pas. Je garde mon numéro de téléphone. Vous avez entendu ce que je vais dire. Donc, c'est comme ça et pas autrement. Donc, voilà. Rendez-vous ce soir, tout à l'heure, à Bruxelles et tout. Bon, je vais vous présenter ma robe de ma tenue de soirée en sortant. Et je ferai le test VIH en direct pour sensibiliser la jeunesse et tout. Donc, n'oubliez pas le 29 à Lille. Notre prince Patrice et, et Coco Argenté. N'oubliez pas, j'arrive au Cameroun mercredi. Voilà, pour la soirée de J-Man qui se passera au St. John's Plaza. Donc, je vous attends nombreux. Je n'aurai pas le temps de rendre visite individuellement à qui que ce soit. Donc, si quelqu'un tiens à me rencontrer. Vous pouvez passer au St. John's Plaza le 28 et tout pour appeler pour réserver. Et vous passerez là-bas, on se verra. Voilà, sinon le reste de temps je ferai au Cameroun. Je n'ai pas beaucoup de temps à faire au Cameroun, mais j'irai rester près de ma mère ouais, pour profiter un peu d'elle. Je n'aurai pas beaucoup de temps. Voilà. Donc, je vous embrasse très fort. Bonne journée à tous. Sachez que le Seigneur est au contrôle. Ok, le Seigneur au contrôle et n'ayez pas, ne tremblez pas. Je suis la force tranquille. Personne, je dis que personne ne me fera quitter Facebook. Pour rien, je partirai quand j'en aurai envie. Je viendrai toujours faire mon bracata, le niamsélé et tout parce que voilà, c'est comme ça que je suis devenue star. Donc je ne laisserai pas ça pour rien au monde. Et puis je ne vais plus m'attarder sur des trucs à deux balles. Vous voyez ce que je veux dire? Je m'attarderai plus pour des petits trucs à deux balles. Voilà, c'est comme ça. Voilà, je vous embrasse très fort. Bisous, bisous, bonne journée, je vous embrasse. Donc, va porter plainte à la police. Non, j'irai à la police. Oui, j'irai à la police. Bien sûr que j'irai à la police. J'irai à la police avec. Voilà, j'irai à la police. Bien sûr que j'irai à la police. J'ai pas besoin de le dire ici. Mais je tiens quand même à dire à ces personnes-là qui m'ont appelé un numéro masqué que nous sommes en Europe. Et même si tu appelles quelqu'un en masqué. Les menaces, comme ces menaces que j'ai reçues, mais la police peut savoir qui tu es, tout simplement. Hein? Je ne changerai pas mon numéro de téléphone. C'est comme ça. Et pas autrement, si j'ai besoin que les gens m'appellent, je mettrai un numéro de téléphone sur Facebook pour qu'on m'appelle, pour parler avec des gens et tout et tout. Mais pour le moment, je ne suis pas prête à faire ça parce que je n'ai pas vraiment allé m'excuser. Ok? Voilà, je vous embrasse. Bonne journée. Bonne journée, gros bisous, sortez couverts. Il y a beaucoup de maladies, sortez couverts. Et seul le Seigneur contrôle. Souhaitez-moi bon voyage, non? Comment vous êtes comme ça là? Ah, dis donc, vous m'énervez même. Vous m'énervez, maman, je vais arriver à quelle heure? Je suis déjà en retard. Mon frère, pardonne-moi, s'il te plaît. Pardonne-moi. Donc, je reviens sur Paris quand. Pour faire. Bon, demain. Bon, après le mariage, je rentre à Lille, faire mes bagages pour le Cameroun. Donc, je reviens sur Paris seulement, je crois, lundi pour faire mon enregistrement. Voilà, parce que nous partons quand même en groupe et tout. Et merci à ces personnes-là qui m'ont invité au Cameroun, quoi. N'oubliez pas J-Man, la soirée de J-Man au St. John's Plaza, d'accord, du styliste J-Man. N'oubliez pas aussi que. Voilà, que je vous aime. Continuez à travailler sans salaire, non? Il faut me bénir en route, hein, pardon.
Bisous, hein. Je vous embrasse très fort. Bye bye, bonne journée. Oh, quand je suis avec vous, vous me faites l'ongrimba. Moi-même, je travaille pour vous, hein. Vous me faites trop l'ongrimba. Quand je suis sur Facebook, non, c'est comme si on m'attachait sur Facebook. Et quand un homme m'épouse, voilà, n'oubliez pas ce soir, Dia Dia. Donc, vraiment, si vous avez le temps, partez à Dia Dia. J'ai rencontré les gens hier, les gens, ils sont formidables hier. C'était magnifique. Vraiment, je suis, chaque fois quand j'ai envie de voir mon artiste, c'est Belka Toby. Belka Toby, c'est un enfant du quartier. C'est-à-dire que c'est, quand je dis un enfant du quartier, ça veut dire que j'ai grandi à côté de chez eux, dont notre, mais c'est mon voisin du quartier Ndoubat. Donc, c'est un artiste qui chante depuis très, très longtemps. Et je ne l'ai jamais vu en scène, je ne l'ai jamais vu sur scène. Hein. Depuis mon, je ne l'ai jamais vu comme ça chanter. Vous voyez, j'ai toujours rêvé de le voir. Mais chaque fois quand il passe en spectacle, je n'ai pas le temps, je ne suis pas là. Vraiment que, voilà, c'est mon artiste, je l'aime beaucoup. Même comme il est quand même trop, il est gueulard. C'est comme ça, non? On va faire comment? Mais on l'aime, c'est la méga, la giga star. Donc ce soir aussi, il y aura Rue Coto. Voilà, soirée de Dia Dia, une soirée qui sera magnifique. J'espère que j'aurai l'occasion de voir Belka de Toby sur scène et tout quoi. Voilà, je vous embrasse très fort. Portez-vous bien. Rendez-vous le 13 mai aussi. Hein. Bisous. Admirez encore ma tenue. C'est Nyanga, non? Bisous, bye bye. Bisous, mon cœur, je t'aime. Bye bye.